Thank you. Merci, merci. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu. We thank you. Nous sommes reconnaissants, Esprit du Seigneur, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, Esprit du Christ, Esprit du Père, toi qui es dès le commencement, toi qui te mouvais au-dessus de la surface des eaux, Esprit de l'Éternel, nous te reconnaissons, nous te bénissons, nous t'accueillons, nous t'acceptons. Merci, merci pour l'honneur, merci pour la grâce, merci pour le privilège que tu nous fais d'être rassemblés ce matin. Le psalmiste a dit, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel et ce matin, je te suis reconnaissant. Merci, merci infiniment pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Je veux prendre encore le temps de te dire simplement merci. Je te reconnais, je t'accepte, je te chéris, je t'adore, je te célèbre et je t'aime. Mon trésor, mon Père, mon Dieu, ma vitalité, ma capacité. Ce matin, c'est par ta grâce que nous sommes debout, c'est par ta grâce que nous sommes, c'est par ta grâce que nous parlons, c'est par ta grâce que nous pouvons nous mouvoir, c'est par ta grâce que nous pouvons entendre, c'est par ta grâce que nous pouvons comprendre, c'est par ta grâce que tout est possible. Je lève les mains par ta grâce, j'ouvre mes yeux par ta grâce, j'ouvre ma bouche par ta grâce. Merci infiniment pour tout ce que tu es, car ta bonté vaut mieux que la vie, je le reconnais. Ta fidélité durera toujours, de génération en génération. Merci Esprit du Seigneur, je te reçois, je t'accepte, je te chéris, je te veux Seigneur. Le peuple ce matin ne se rassemble pas Seigneur pour nous, pour les pasteurs, non, le peuple se rassemble ce matin pour toi. Tu es la personne sur laquelle nous regardons nos tours, ce Père. Aucun de nous ici n'est assez fou pour dire qu'il dépend d'un homme ou d'une femme de Dieu Seigneur. Non, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous appelons, c'est toi que nous accueillons. Magnifique Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, que tes fleuves d'eau vive se déversent dans mon cœur ce matin, afin, Seigneur, que lorsque la parole viendra dans mon cœur, dans mon esprit, Seigneur, que la parole produise la foi, Seigneur, que les fleuves d'eau vive de Dieu se déverse à l'intérieur de nous, à l'intérieur du peuple que nous sommes. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Admirable Saint-Esprit, Jésus, nous te prions. C'est toi que j'ai envie d'appeler ce matin. J'ai envie de mentionner simplement ton nom. À la mention de ton dans la Bible, dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, ce nom Jésus de Nazareth, le Christ sera sauvé, Seigneur. Que tes fleuves d'eau vive se déversent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le total contrôle de toutes ces blessures de ma vie. Passée ce matin, je me soumets, je m'humilie, je regarde à toi et je me soumets à toi seul. Que tes fleuves d'eau vive, Seigneur, se déversent dans mon cœur encore et encore. Que ton Saint-Esprit, ô Père, vienne et prenne le contrôle de tout ce qui se fait, ce qui se dit, de toutes ces blessures, ces plaies. De nos vies passées. Je me soumets, je regarde à toi seul. C'est toi que j'ai envie d'invoquer ce matin. Voilà pourquoi je dis, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Voilà pourquoi je veux simplement, avec les mots de mon cœur, t'appeler, t'invoquer maintenant. Quelqu'un a envie de t'invoquer, de t'appeler ce matin. C'est une expression d'adoration que je veux faire monter vers toi. C'est une expression de louange, de gratitude. Je veux te dire, toi mon sauveur, Jésus. Ah, entends mon soupir là. Je ne sais pas comment il faut prier, mais je dis simplement Jésus, Jésus, Jésus. Je veux aussi t'appeler toi le Père de gloire. Ah, Père, un tendre Père.
Père d'amour, Père de bonté, Père de grâce, mon protecteur, mon nourrisseur, mon développeur, ma capacité, tu es mon Père, je veux te le dire, Père. Tendre Père céleste, je t'implore, je t'invoque, je te veux, je te chéris, tu es le Père de gloire dans les cieux. Tendre Père, 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 Père. Avec moi un frère, une sœur veut simplement soupirer après toi. Ah, ça aussi c'est une prière. J'invoque simplement le Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de force, esprit de grâce, esprit de foi, esprit de sainteté, esprit de liberté, esprit de guérison, esprit qui produit toutes choses belles et merveilleuses. Saint-Esprit, je veux te dire que je te veux, c'est toi que j'invoque, je t'appelle. Je suis fier de t'invoquer, de t'appeler Saint-Esprit, Saint, 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 Saint-Esprit. Tu es mon Père et mon trésor, mon époux, ma vitalité. Saint-Esprit, tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Jésus, tu es mon cœur, mon trésor, mon amour, mon Dieu, mon sauveur, mon protecteur, ma passion, à jamais le sujet de mes. Ce matin, je veux te dire, tu es le chant, Jésus, Père, Esprit de sainteté, à jamais le sujet de mes. Je ne sais pas quoi dire, mais je veux te dire, tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes. Quand je marche, quand je me lève, quand je m'assieds, tu es le chant. C'est à toi que je pense, mon Père. Ah, ah, ah. À jamais le sujet de mes. Jésus, tu es le chant que je chante. Mon esprit, ma le manque, à jamais le sujet de mes. Tendre Père, je veux dire, tu es que je chante, tu es mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Jésus, tu es. Avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli de gratitude, avec un cœur d'amour, avec un cœur, Seigneur, de passion attaché à toi. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Chant que je chante, la passion, la mélodie de mon cœur. Tu es à jamais le sujet de ma reconnaissance, à jamais, à jamais, à jamais. Le sujet de mon amour, ma passion, ma poursuite. Tu es mon héros, ma force, ma puissance, ma gloire, mon rayonnement, ma lumière, mon puissant soutien, mon rocher, ma forteresse. Tu es le sujet de toute ma dévotion, mon attention. Tu es le chant, Père, que je chante.
Tu es la mélodie, l'harmonie, l'équilibre de mon cœur et de ma vie à jamais. Le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges, ma gratitude, à jamais, hier, aujourd'hui, éternellement, depuis le jour où tu m'as fait naître dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Je reconnais que ta main m'a gardé, ta main m'a secouru. Il fut un temps où j'aurais dû être retroché par la mort, par les ravages, des maladies, des fléaux, des malédictions. Mais tu as eu compassion, mais tu m'as gardé. Tu as secouru, Seigneur. Même quand je me couchais la nuit, je ne savais pas ce qui se tramait autour de moi. Mais je sais, et j'ai compris après, ta grâce m'a soutenu. Voilà pourquoi je ne sais pas quoi te donner, je ne sais même pas. Comment je peux te dire merci? Je ne sais pas, Seigneur. Alors je me livre à toi. Je te donne mon cœur, ma gratitude, ma vie, ma passion. Je ne veux pas faire semblant. Je me livre à toi, Seigneur. À jamais, tu es le sujet de ma passion, de mon affection, de mon adoration, de mon amour. Non, je ne dépends pas d'un homme. Moi, je dépends de Dieu et de Dieu seul. Le secours de l'homme n'est que vanité, Seigneur. Mais moi, je regarde à toi et à toi seul. Berger de mon âme, Seigneur de ma vie, à toi seul je me soumets, à toi seul j'offre mon adoration, ma passion, mon amour, mon allégeance, Seigneur Jésus de Nazareth, toi le Christ, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie. Seigneur, ce matin, fais-nous grâce. Seigneur, ce matin, fais-nous grâce encore. Je reconnais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, cette rencontre, sans toi, cette réunion, ce culte n'a aucun intérêt, n'a aucune valeur, n'a aucune saveur. Nous te supplions, Esprit du Seigneur, magnifique Saint-Esprit, Seigneur Jésus, toi le Père de gloire, nous te supplions, accorde-nous ta grâce ce matin. Ou à notre entendement, accorde-nous la grâce de pouvoir parler de toi. Qui ici peut dire qu'il peut parler de Dieu, qui peut parler de la part de Dieu, Seigneur? Nous reconnaissons que nous sommes incapables. Je reconnais mon incapacité, je reconnais ma petitesse, je reconnais ma misère, je reconnais vraiment mon ridicule et je m'humilie humblement devant toi, Père. Je te prie, ô Père éternel, glorifie ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Non pas à nous, non pas au pasteur, non pas à l'église, non pas à aucun autre homme, mais du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de sa majesté, l'empereur, le roi de tout l'univers, le chef d'état de l'univers, le Christ Jésus de Nazareth, à toi seul louange, honneur, splendeur et gloire, adoration, célébration, maintenant et à jamais. Allons, quelqu'un avec moi a simplement envie d'acclamer, pas d'applaudir, mais d'acclamer. À jamais, tu es ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience. Tu es mon allégresse, tu es ma passion, mon attachement, mon Père, mon trésor, mon Dieu. Merci, merci. Have your way, prends toute la place, ne prends pas la première place, sur le trône de nos cœurs, prends toute la place, fortifie-nous, fais-nous grâce, soutiens-nous, Seigneur, au nom du Christ Jésus. Nous, nos yeux sont seulement sur toi et sur toi seul, Père. Maintenant, hier, aujourd'hui et éternellement, nos yeux sont sur Christ et sur Christ seul. Béni sois-tu pour tout ce que tu es, béni sois-tu pour tout ce que tu fais, Père. Au nom du Christ Jésus de Nazareth,
Nous te prions ce matin, nous te souhaitons la bienvenue. Quelqu'un me dit Amen.